Na papa mo bébé ici. Tout le monde est d'accord. D'accord, wana et kenda, ti d'olizier. Même ce qu'on kena oyope oyoki, tout le monde est d'accord. Ok na goma tsepe oyoki, tout le monde est d'accord. Donc pour dire tout simplement, nous sommes tous d'accord. Et blague te keba. Braza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Biso tout on dimiango. Nana koboya. Braza Paris Info. Fimbu na fimbu, donc vous êtes rien à dire. On vous remercie beaucoup d'être là. Votre présence, vraiment, ça va. Merci. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Placide Zola est d'accord. Deux fois T. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Nedi Adonomsi est d'accord. Aristide Mobilisi, le survient de la presse congolaise. Au Congo, par exemple, il y a une loi des partis politiques qui a été éditée pour permettre aux partis existants de pouvoir fonctionner. Mais quand on voit bien ce qui s'est passé après, l'autorité politique a créé des micro-partis, des micro-associations qui sont financées, mais pour claironner la gloire du président auprès de la population. Pas gestionnaire des catastrophes qui nous arrivent. Parce que si on a un discours qui va dans le sens d'ouverture à la corruption, je prends l'exemple du Congo. Nous avons tous suivi Panama Papers. L'ensemble de la famille présidentielle y est fortement impliqué. Et pas par hasard, s'il vous plaît. Cette famille est gestionnaire de plusieurs sociétés pétrolières. Mais les neveux auraient pu choisir d'autres domaines, n'est-ce pas, économiques, pour exercer leur activité. Mais pourquoi simplement le pétrole? Et c'est l'occasion, là, aujourd'hui, de renouveler un appel insistant à M. Hollande pour qu'il tienne pour vérité crédible son discours de Dakar. Qu'il donne un signe tangible aux Africains. Je ne parle pas que des Congolais, aux Africains. Parce que la RDC, c'est l'Afrique, c'est le même problème. Le Gabon demain, c'est l'Afrique, ça sera le même problème. Le Tchad, c'est l'Afrique, c'est le même problème. Le Cameroun, c'est l'Afrique, c'est le même problème. Au Burundi, on en a parlé aujourd'hui, c'est le même problème. Malheureusement, comme on le sait, que lorsque la dictature s'imprime dans un pays, malheureusement, elle a du mal à partir si seulement si, et c'est ce que nous attendons, la communauté internationale ne s'érige pas elle-même, comme il y a eu une jurisprudence en matière humanitaire, pour dire enfin peut-être qu'il faut une jurisprudence sur le plan démocratique. Il faut que les Congolais puissent, notamment les hommes politiques, puissent trouver la capacité de résilience nécessaire pour se regarder en face. Vous pensez que c'est avec plaisir que je viens dire il faut discuter. Mais en tant que citoyen de ce pays, en tant que responsable politique, en tant qu'opposant, je fais valoir à la fois un droit d'inventaire, un droit de critique, mais également un droit de lucidité pour dire dans la violence, on n'arrivera à rien. Machiavel a dit, mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Depuis 2012 à ce jour, le FMI, dans un rapport, rapporte que le pays perd environ 1% de son PIB. Au total, aujourd'hui, 174 milliards sur l'argent du pétrole qui devait rentrer au trésor public. Si on n'est pas dans la disposition de céder à la tentation, les 174 milliards, on les remet dans les comptes publics. Et les miennes, pendant l'exposé, il est vrai, il ne faut pas le nier, il est vrai que l'opposition ne montre pas des signes tangibles d'unité. Ça, je suis le premier à le dire. Mais
Il faut aussi féliciter ses opposants qui, sur le terrain, se battent avec les moyens de bord, luttent contre un régime profondément dictatorial et ils essayent d'amener le peuple à comprendre que, malgré ces difficultés, ils tiennent tête. Au moment où je vous parle, combien d'opposants sont en prison? Combien d'opposants se retrouvent en résidence surveillée? Je prends l'exemple du général Mokoko. Nous avons 95% de nos exportations qui sont fondées sur le pétrole. Le pays produit à peu près 290 000 barils jour. C'est important. Et ce ne sont pas les productions pétrolières d'aujourd'hui avec un prix qui est abaissé, mais ce sont des productions pétrolières avec une plus-value. Avec toute cette manne d'argent, le pays connaît près de 70% de ses compatriotes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté qui est de 1 euro. C'est inacceptable. À la tête duquel se retrouvait M. André Mulongo, qui a organisé les premières élections libres et crédibles dans ce pays, qui ont permis au Congo de connaître enfin un pouvoir démocratique. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. 5 ans après, M. Sassou Nguesso, qui était l'ancien président qui avait été démis par la clairvoyance populaire au travers de la Conférence nationale souveraine, est revenu aux affaires par le biais d'un coup de force, ça il faut le dire. Et cette guerre civile a propulsé le Congo sur la scène internationale, mais sur le mauvais côté. Des scènes d'horreur qui pour nous, qui étions encore enfants lorsque le Congo accédait à l'indépendance, étaient un véritable coup de massue pour un pays que nous connaissions toujours pacifique, pour une population qui a toujours été adulé en Afrique pour son esprit chrétien, et donc un esprit de paix. Cette guerre de 97 a conduit le pays au bord de l'éclatement. Il a fallu que les compatriotes, les responsables politiques, la société civile puissent se mobiliser de façon à rapiécer l'étoffe qui est en train de se déchirer. Et parmi ceux des acteurs qui ont contribué à l'établissement de cette paix dans le pays, il y a le modeste Gitukulu qui est en face de vous, avec pas mal de compatriotes. Nous avons pris les choses à cœur d'aller voir les différents acteurs de la crise politique, les protagonistes du conflit, de la guerre de 97, pour les amener progressivement autour d'une table qu'on appelait le dialogue national sans exclusif, de façon à mettre fin au conflit et reconstruire le pays comme il se devait, en faisant appel à l'ensemble des énergies du Congo. Malheureusement, cette guerre s'est déroulée en plusieurs épisodes. Le dernier épisode, c'était l'épisode de la guerre du Poule. Le Poule est une région, une province ou un département, selon, dans le sud du pays, à 75 km de Brazzaville, se trouve son chef-lieu, Kinkala. Et dans cette région, dans cette province ou département, se trouvait le révérend pasteur Toumi, qui s'opposait de façon armée au pouvoir de M. Sassou Nguesso. Et là également, encore une fois, le docteur Gitukulu présent devant vous, avec pas mal de compatriotes qui l'ont accompagné dans ce combat, est entré en négociation, en dialogue avec les différentes parties, pour faire asseoir la paix. Cette contribution personnelle dans ce qui est devenu aujourd'hui la paix dans le département du Poule est le fait
d'un amour assumé pour un pays qui m'a tout donné, pour un pays qui a fait de moi ce que je suis devenu. Même si expatrié, je ne peux pas me permettre de dire « je gagne mon pain et ça s'arrête là, les autres n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent ». Bien au contraire, tout le travail qui est abattu, c'est pour aider le pays à aller de l'avant. En 2002, le Congo, sortant de crise, par voie référendaire, venait d'adopter une constitution. C'était la constitution du 20 janvier 2002. Et cette constitution était écrite, mais dans laquelle on retrouvait trois verrous principaux. Ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet constitutionnel avaient pensé qu'après la guerre, il fallait que le pays, enfin, puisse entamer un parcours de développement sans retour en arrière. Et c'est pour ça que j'avais pensé à verrouiller la Constitution. Il y avait trois articles, 57, 58 et 185, qui n'autorisaient plus au président de la République de pouvoir briguer un second mandat. Malheureusement, comme on le dit en Afrique, on a beau plonger dans un fleuve, un tronc d'arbre, quel que soit le temps qu'il passera dans le fleuve, il se transformera jamais du tout en caïman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, à beau chasser les mauvaises habitudes, malheureusement, elles ont la tête dure, elles reviennent toujours au galop. Elles reviennent au galop, pourquoi? Parce que, à la fin de son deuxième mandat, M. Sassou Nguesso, qui présidait aux destinées du pays, a décidé d'aller vers un changement constitutionnel. Donc, encore une fois de plus, passer outre la volonté populaire pour s'imposer au pays tout entier. Dans son discours à la Nation du 22 septembre, il a donc lancé le point de départ de son coup d'État constitutionnel. Donc, nous sommes encore une fois de plus dans le coup d'État permanent pour dire « je vais changer la Constitution, je vais demander à la population de pouvoir s'exprimer ». Mais tout le monde savait que le résultat était connu d'avance. Malgré la très forte opposition des citoyens, ça il faut le souligner, parce que depuis cette date-là, on ne peut plus dire qu'au Congo, les citoyens ne s'intéressent pas de leur avenir, puisqu'ils l'ont démontré avec ferveur en répondant massivement aux appels des leaders politiques de l'opposition que nous sommes, de façon à barrer la route à ce changement constitutionnel. Requérir des gouvernants une redistribution des richesses de façon à alléger le poids social qui pèse sur eux. On trouvait donc l'occasion de dire « non, trop c'est trop, ça suffit ». Malheureusement, comme on le sait, que lorsque la dictature s'imprime dans un pays, malheureusement, elle a du mal à partir si seulement si, et c'est ce que nous attendons, la communauté internationale ne s'érige pas elle-même, comme il y a eu une jurisprudence en matière humanitaire, pour dire enfin peut-être qu'il faut une jurisprudence sur le plan démocratique. Nous sommes devant un pouvoir qui a fait fi de tous les appels, qui a fait fi de toutes les mises en garde, y compris les mises en garde de sa propre population, et qui a donc décidé d'aller jusqu'au changement de constitution pour pouvoir s'imposer. La lame de fond de tout ça, c'est l'organisation de façon précipitée après le référendum constitutionnel qui a imposé la nouvelle constitution, c'est d'organiser de façon précipitée une élection présidentielle anticipée le 20 mars. Le 20 mars 2015, donc, M. Sassou Nguesso s'est à nouveau imposé par la force, il faut le dire, comme président de la République du Congo, au sortir d'une élection dont les conditions valent peut-être d'être répétées ici, puisque les conditions qui ont entouré la situation préélectorale et père électoral
ne sont pas les conditions d'un pays d'état de droit. Pourquoi ? Parce que l'opposition a voulu faire valoir ses droits en demandant un dialogue préalable de façon à asseoir une gouvernance électorale et que chacun des candidats puisse aller concourir avec le même taux d'égalité de chance. Malheureusement, l'opposition n'a pas été entendue. Monsieur Sassou a organisé un dialogue dans son camp avec son équipe et l'opposition, elle, a organisé un dialogue pour essayer de faire entendre une voix dissonante par rapport aux diktats du système. Malgré tout, l'opposition a présenté des candidats à cette élection. Les résultats ont également été écrits d'avance, puisque M. Sassou est arrivé en tête, selon les résultats de son comité d'organisation des élections, comme président de la République, avec 60,39% des voix. Évidemment, lorsque l'on voit tout ça, on se demande de quelle façon, de quelle manière les Congolais peuvent encore reconduire un monsieur comme ça à la tête du pays. Les partisans de M. Sassou vont nous dire « Mais pourquoi vous ne voudriez pas que M. Sassou soit élu ?» Évidemment, c'est un combat sans fin. Mais regardons les choses bien en face. Nous avons un pays qui se caractérise par un certain nombre de chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 4 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. Nous avons 95% de nos exportations qui sont fondées sur le pétrole. Le pays produit à peu près 290 000 barils jour. C'est important. Et ce ne sont pas les productions pétrolières d'aujourd'hui avec un prix qui est abaissé, mais ce sont des productions pétrolières avec une plus-value. Avec toute cette manne d'argent, le pays connaît près de 70% de ses compatriotes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté qui est de 1 euro. C'est inacceptable. Les populations, aujourd'hui, pensaient que le gouvernement aurait pu profiter de la période de croissance économique pour essayer de diversifier l'économie, parce que c'est là qu'on attend les responsables d'un État. Il faut avoir une vision, il faut se projeter dans l'avenir. Lorsqu'on sait que l'exploitation du pétrole au Congo connaît des problèmes parce qu'il faut aller de plus en plus au large et qu'aujourd'hui, le pétrole coûte moins cher sur le marché international, on n'a plus que la tête à mettre, les mains à mettre sur la tête en se disant « Pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» Mais il y a d'autres possibilités qui peuvent nous permettre de donner un cap à ce pays. Il faut se baser sur l'agriculture. Nous avons plusieurs terres qui sont arables, qui sont fertiles, qui peuvent être cultivées, qui peuvent être exploitées. Mais malheureusement, il y a à peine moins d'un tiers qui soit exploité. Et donc les Congolais, même pour manger, même pour s'alimenter, deviennent dépendants du monde extérieur. Nous avons environ 100 milliards de francs CFA à dépenser tous les ans pour importer, y compris les aliments de base. Le riz, même le manioc maintenant, il vient du Cameroun, des fois il vient même de Chine. Les légumes, alors que c'est un savoir-faire que les Congolais détiennent bien. Vous savez, les chefs d'État africains, au cours d'une déclaration, ils avaient dit « Il faut investir 10% du produit intérieur brut tous les ans pour développer l'agriculture. De façon que, un, les pays soient autonomes, qu'ils baissent leur taux d'importation, qu'ils arrivent à transformer les matières premières sur place, mais également l'industrie agro-pastorale, de façon à créer des emplois et à donner un avenir, à dessiner un cap pour ces jeunes Congolais qui attendent, après la fin de leurs études, d'être employés. Malheureusement, tout ceci n'est pas fait. Bien au contraire, le plus grave, et ça c'est à décrier, on utilise 5% de ces 10% pour s'armer annuellement. Mais on s'arme annuellement pour quoi faire? Les résultats sont là aujourd'hui. Nous avons une crise post-électorale
qui vivent en crise armée. Pourquoi? Et parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans le département du Poul, toujours le même département, il y a des bombardements à la recherche du révérend pasteur Ntoumi, qui a voulu dire non, et à juste titre, puisque la seule possibilité qu'on laisse aux Congolais de pouvoir s'exprimer, finalement, c'est la violence. Lorsque, de manière démocratique, on essaye de dire que les choses ne vont pas, que le pays va mal, qu'il faut discuter, qu'il faut négocier, qu'il faut parler, qu'il faut s'asseoir pour remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, on n'est pas écouté. Finalement, est-ce que on ne peut pas, ne faut-il pas donner raison à quelqu'un qui a dit « Lorsque le gouvernement exploite les droits des peuples, mais le seul droit qui lui reste à ce peuple-là est le droit indispensable, finalement, c'est la résistance, c'est l'insurrection. » Merci. On a eu droit un peu presque à votre programme électoral aussi, donc avec où il faut investir et qu'est-ce qu'il faut le faire. Mais est-ce que un problème au Congo n'est pas aussi que justement l'opposition, elle n'est pas très unie, qu'elle est très diversifiée? Si on pense par exemple au Sénégal, où quand même un peuple et des jeunes gens ont réussi à faire le changement, mais aussi parce que les politiques se sont tous mis ensemble, pour, donc en 2012 en tout cas, pour faire partir le président Wade. Donc est-ce que ce n'est pas un problème aussi interne de l'opposition? En tout cas... Est-ce que vous vous situez par rapport à ça? En tout cas, sans perdre le fil des idées qui étaient les miennes pendant l'exposé, il est vrai, il ne faut pas le nier, il est vrai que l'opposition... ne montre pas des signes tangibles d'unité. Ça, je suis le premier à le dire. Mais il faut aussi féliciter ses opposants qui, sur le terrain, se battent avec les moyens de bord, luttent contre un régime profondément dictatorial, et ils essayent d'amener le peuple à comprendre que, malgré ses difficultés, ils tiennent tête. Au moment où je vous parle, combien d'opposants sont en prison ? Combien d'opposants se retrouvent en résidence surveillée? Je prends l'exemple du général Mokoko. Le général Mokoko, c'est un cadre intègre qui a travaillé d'abord en tant que chef d'état-major des armées. Il a fini sa carrière comme représentant du chef de l'État au niveau des pays d'Afrique centrale en conflit, comme la Centrafrique. Et il est rentré en se disant, c'est le moment de servir le pays au plus haut niveau. Mais c'est un droit fondamental de chaque citoyen de pouvoir s'établir en responsable politique parce qu'il a une vision, parce qu'il a un projet, parce qu'il a un rêve à faire valoir à l'ensemble de la population. Malheureusement, le fait de sa crédibilité internationale, le fait de sa crédibilité au niveau national, parce que, sans oublier une chose, que le général Mokoko, grâce à lui, la Conférence nationale souveraine qui a réussi à faire établir un régime démocratique au pays, a pu se tenir. Aujourd'hui, il a battu campagne tout en étant appelé tous les deux jours devant la juridiction nationale ou au commissariat pour aller s'expliquer. Mais comment on peut battre campagne dans ces conditions? C'est impossible. Nous avons en prison aujourd'hui un opposant qu'on appelle M. Boukadia. M. Boukadia, c'est quelqu'un qui est profondément convaincu que les choses doivent bouger, doivent changer. Il a une vision pour le pays. Mais le fait d'avoir un discours différent de celui du pouvoir, il est en prison. Nous avons en prison aujourd'hui M. Marion Michel Mandimba, qui est un collaborateur de Jean-Marie Michel Makoko, y compris M. Jean Gwabi, qui est également collaborateur de Jean-Marie Michel Makoko. Il y a Marcel Ntsuru, qui est également en prison. Donc on peut en citer, on peut faire des listes. Alors, demander que l'opposition soit unie dans ces conditions-là, c'est un peu difficile. Mais le service minimum en termes d'unité, je pense qu'il est réalisé, puisque aujourd'hui nous avons une coordination qu'on appelle IDC-FROCAD, qui rassemble un peu tous les rameaux de l'opposition pour essayer d'aller progressivement, en évitant tous les handicaps, tous les obstacles, vers une unité réelle de l'opposition, avec, bien entendu, je précise,
la nécessité d'aller vers une structuration de cette opposition, y compris à l'extérieur du pays. Je n'ai jamais vu un pays dans lequel l'opposition se cantonne uniquement en intramuros sans pour autant avoir un porte-parole ou des porte-paroles à l'étranger qui seront chargés de faire le VRP du combat de cette opposition. Et c'est là où nous nous situons. Donc, je suis, c'est vrai, peut-être parfois un peu critique par rapport à ça, mais je reconnais que la situation n'est pas des plus aisées. Ici, on peut s'exprimer, on peut tenir une conférence de presse, mais là-bas, c'est toute une galère pour le faire, surtout dans les conditions actuelles, où les enlèvements sont légion. Pour revenir sur la situation dans le département du Poul, évidemment, il faut savoir que dans le département du Poul, tous ces bombardements qui sont faits aujourd'hui peuvent, non seulement peuvent, mais ont des impacts réels, non seulement sur la population, mais également sur la biodiversité et la faune de ces départements. Parce que le Congo représente quand même le deuxième pays couvert par une grande partie de la forêt du bassin du Congo, qui est aujourd'hui l'un des poumons écologiques du monde. Donc, tous ces bombardements qui sont faits, mais les résultats, c'est une atteinte à l'écologie, c'est une atteinte au biosystème, c'est une atteinte à la biodiversité, c'est une atteinte également aux personnalités, aux personnes humaines qui sont présentes dans ce département. Le gouvernement du Congo, entre guillemets, s'en défend en disant « Non, il n'y a pas d'événement dans le Poul, tout se passe bien, mais je peux vous dire que même ma propre famille est impactée parce que je reçois des coups de fil. La région dans laquelle ces bombardements ont lieu aujourd'hui, moi j'ai ma famille qui y habite. Nous avons eu, dans le cadre des péripéties politiques du Congo, l'affaire des disparus du Bitche, mais j'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans quelques temps, on ne puisse commencer à parler des disparus du Poul. Pourquoi ? Mais pour une simple bonne raison, que à chaque fois qu'il y a des décès parce qu'il y a des bombardements par des hélicoptères, des largages de bombes par hélicoptère, les militaires de Sassou Nguesso passent derrière pour enterrer et faire disparaître les preuves. Dans ma famille, on a eu un cas comme ça, où les paysans se sont rendus dans les forêts, ont trouvé des charniers, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à trouver le corps de ce cousin qui est mort malheureusement des bombardements. Donc, ce pays, on ne peut pas le laisser dans cette situation. Je suis opposant, c'est vrai, mais je me dis, le pays ne peut pas aller vers une dislocation. On ne peut pas aller vers la somalisation du Congo. On ne peut pas aller vers un Congo qui devienne comme le Libéria d'hier. Il faut que les Congolais... Oui ? Il faut que les Congolais puissent, notamment les hommes politiques, puissent trouver la capacité de résilience nécessaire pour se regarder en face. Vous pensez que c'est avec plaisir que je viens dire il faut discuter. Mais en tant que citoyen de ce pays, en tant que responsable politique, en tant qu'opposant, je fais valoir à la fois un droit d'inventaire, un droit de critique, mais également un droit de lucidité. Pour dire, dans la violence, on n'arrivera à rien. Machiavel a dit, mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Et il y a quelqu'un d'autre, je pense que c'est M. Labri, qui a dit, il va falloir, on peut trouver de l'argent pour faire la guerre, mais pourquoi on ne trouve pas de l'argent pour vivre mieux? Et nous, on veut vivre mieux. Et nous, on veut faire une paix, même si c'est une mauvaise paix. Mais il faut une paix. Ce rôle, nous l'avions déjà assumé, et c'est dans cette occasion que j'ai lancé sur la voie des ondes au lendemain des événements du 4 mai à Brazzaville, une mission, une proposition de médiation au pays pour dire le moment est venu, avant que les choses ne s'aggravent, ne s'enveniment réellement, surtout que la communauté internationale, elle, insiste beaucoup sur la capacité de mettre les Congolais autour d'une table pour qu'ils parlent ensemble et qu'ils trouvent les voies de sortie honorables à la crise politique. Je lui ai dit,
on va essayer de lancer une médiation de façon que ce que nous avions édité déjà une fois, on puisse le répéter au nom de l'intérêt général. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, cet appel a-t-il eu un écho? Oui. Il ne faut pas être triomphateur non plus, mais c'est un appel qui continue à faire son chemin. Il fait son chemin au moment où je m'exprime. Certains protagonistes du conflit m'ont donné leur accord pour qu'on accélère la recherche de partenariats au niveau international pour asseoir les Congolais autour d'une table et en finir. Donc, la volonté réelle des Congolais aujourd'hui, ce n'est certainement pas de faire la guerre pour la guerre. La volonté réelle des Congolais aujourd'hui, c'est d'aller vers une paix. Mais la paix ne peut pas être qu'une paix d'incantation. C'est une paix qui doit se jauger par les actes sur le terrain. C'est une paix qui doit être tangible à la fois pour les politiques que pour les populations. Mais cette paix aujourd'hui ne peut arriver que si et seulement si chacun met un peu de vin, un peu d'eau dans son verre de vin. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est le cœur serré. C'est le cœur serré que je demande et à l'opposition et au pouvoir en place. Si seulement ils sont compatriotes, si seulement ils sont pour l'intérêt général, si seulement ils sont réellement pour la paix, d'arrêter l'escalade à la violence et de se mettre ensemble, d'écouter les appels de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a déjà averti M. Sassou Nguesso de ce que les Nations Unies demandent aux Congolais de pouvoir parler pour mettre un terme à la guerre qui se profile en l'horizon. De répondre favorablement aux incantations et aux demandes de l'Union européenne, qui également insiste sur la condition du dialogue. De répondre favorablement aux appels de certains partis politiques extérieurs qui ont pour vision une Afrique dynamique, prospère, de façon à endiguer ces lots et ces flots d'immigrés qui ne cessent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Si on n'apporte pas le développement en Afrique, eh bien malheureusement, ces flots d'immigrés vont continuer. Et c'est pour cette raison que je crois personnellement à l'implication de la communauté internationale pour faire asseoir la paix dans ce pays. Mais le rôle de la communauté internationale pour faire asseoir la paix, tout en passant par le dialogue, doit définir ce qu'on attend au sortir de ce dialogue. Ce n'est pas un dialogue comme nous avions toujours eu avant, pour dire on se congratule entre politiques. Non, c'est un dialogue qui doit mettre l'intérêt supérieur de la nation au sommet de tout intérêt égoïste. Ça veut dire quoi? Excusez-moi si je vous coupe, comme je pense que peut-être que des confrères oui, ont envie de poser des questions comme ça. Je ne suis pas du tout de spécialiste de l'Afrique, mais sur le plan de la logique, j'essaie de comprendre, si j'ai bien noté, que ce président a été réélu en 2015 avec 60,39% des voix. 60,39% des voix. Ma première question est la suivante. Les élections ont été truquées. Voilà. Si vous prétendez... Je finis ma question. J'ai deux questions très simples. Si vous pensez que le peuple est plutôt derrière l'opposition, c'est qu'il y a eu des trucages. Et deuxième question, avant même qu'il soit réélu, il y a eu la possibilité de discuter, de se battre, et de convaincre l'opposition, et de convaincre les Congolais, le peuple, pour qu'ils ne votent pas là. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe. Justement, la chose qui vous échappe, c'est que nous sommes dans un régime dictatorial. Ce n'est pas un régime qui est ouvert à la discussion avec les uns et les autres, sans pour autant qu'il y ait une sorte ou une espèce de glaive au-dessus pour dire non, trop c'est trop, ça suffit. Vous savez, tout le monde s'est moqué de Bernard Kouchner avec son sac de riz. Mais cette histoire me revient encore en tête. Il n'aurait pas mis son sac de riz pour aller aider en Somalie.
l'action humanitaire telle que nous la connaissons aujourd'hui dans les conflits, même l'existence de la Croix-Rouge à l'époque, n'aurait pas connu les transformations. Il faut une jurisprudence quelque part. Et cette jurisprudence, s'il vous plaît, cette jurisprudence, c'est de dire pourquoi l'Afrique n'aurait-elle pas droit à la démocratie alors que d'autres pays sont en liberté. Je m'explique. Lorsque un État africain s'impose à ses sujets, à ses populations, lorsqu'un chef d'État africain n'écoute que sa propre voix et ne veut entendre raison de personne, lorsque un chef d'État organise une élection avec un blackout sur le plan communicationnel, c'est-à-dire qu'à Brazzaville, quand il y a eu les élections du 20 mars 2016, il n'y avait ni radio, ni télévision, à part la télévision et la radio nationale, ni Internet. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire, on peut communiquer. Tout était coupé. Mais j'en suis fondamentalement ahuri de constater que notre propre bien nous amène des malheurs. Mais est-ce que nous sommes finalement nous-mêmes pas gestionnaires des catastrophes qui nous arrivent? Parce que si on a un discours qui va dans le sens d'ouverture à la corruption, je prends l'exemple du Congo. Nous avons tous suivi Panama Papers. L'ensemble de la famille présidentielle y est fortement impliquée. Et pas par hasard, s'il vous plaît. Cette famille est gestionnaire de plusieurs sociétés pétrolières. Mais les neveux auraient pu choisir d'autres domaines, n'est-ce pas, économiques, pour exercer leur activité. Mais pourquoi simplement le pétrole? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui, quelque part, prêtons le flanc pour dire « nous sommes prêts à vous accueillir, quelles que soient les conditions », il suffit que notre compte offshore soit alimenté. Depuis 2012 à ce jour, le FMI, dans un rapport, rapporte que le pays perd environ 1% de son PIB. Au total, aujourd'hui, 174 milliards sur l'argent du pétrole qui devait rentrer au trésor public. Si on n'est pas dans la disposition de céder à la tentation, les 174 milliards, on les remet dans les comptes publics. Il y a des exemples qu'on ne donne pas, parce qu'on va nous taxer d'extrémistes ou de gauchistes. Mais dans un pays d'Amérique, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il dit, mon pétrole, je vais l'exploiter pour mon pays, je vais le faire. On ne demande pas non plus de fonctionner en autarcie. Donc c'est à nous de trouver les termes de négociation avec les autres. On peut nous parler de la Chine, mais la Chine, je suis désolé, elle le fait peut-être proprement, mais elle le fait comme les sociétés pétrolières. Parce que nous avons cette prédisposition-là, toujours de dire, nous sommes prêts, nous sommes ouverts, allez-y. La deuxième question, lorsque vous me dites que finalement ça n'avance pas partout dans le monde, africain, que ce soit en Algérie. Non, l'Algérie, ce n'est pas l'Afrique centrale, j'ai bien. Non, ça, c'était par rapport à l'opposition, quoi. Qu'on dit que l'opposition, il n'y a pas. Je viens, justement. Donc, si ça n'avance pas au niveau des oppositions en Afrique, les raisons ne sont pas compliquées à trouver. Mener une action politique. Vous savez, aujourd'hui, on se retrouve là pour une conférence de presse. Les journalistes nous reçoivent. Mais allez organiser une conférence de presse en Afrique. Le journaliste va commencer par te dire, il ne vient pas lui chercher l'information, mais il considère que c'est l'homme politique qui va le chercher pour être vendu. Alors que c'est lui qui doit informer, c'est son travail. On a inversé les rôles. Et si les partis politiques ne sont pas nantis, c'est-à-dire ne sont pas financés, ou alors les partis politiques n'ont pas à leur tête des leaders qui ont déjà des moyens pour subvenir à ses besoins. Comment ils peuvent fonctionner?